Vous avez l'impression d'aller vers Marie. En réalité, c'est elle qui vient vous chercher. Elle a besoin d'apôtres. Ce n'est pas compliqué d'être apôtre de Marie. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer Marie. Il faut vouloir changer le monde. Il faut avoir confiance. Il faut beaucoup de confiance. Il faut énormément de confiance. Être apôtre, c'est simplement lire les messages de Medjugorje et les appliquer dans votre vie. Vous vous dites qu'elle devrait choisir quelqu'un d'autre. Mais les prières que vous ne faites pas, personne ne peut les faire à votre place. Vos prières sont uniques. Et puis, Marie connaît vos problèmes et elle a un plan. Marie connaît l'avenir et elle sait déjà comment faire. Elle a déjà préparé des grâces pour vous. Elle attend votre oui. Cela peut prendre 5 minutes, ou 10 ans, ou jamais. Quoi que vous décidiez, elle respectera votre choix. Elle vous aime. Elle respecte votre liberté. Elle respecte votre choix. Mais au fond de son cœur, elle espère que vous direz oui. C'est comme ça que vous devez aimer votre prochain, en respectant sa liberté. Un petit oui à Marie, c'est un grand non à Satan. Et voici les photos des pèlerins prises à Medjugorje. On peut voir si on observe bien la silhouette de Marie sur le mur blanc. Regardez plutôt. Un effet lumineux sur le Saint-Sacrement. Et voici d'autres photos prises par des pèlerins à Medjugorje.